Salut YouTube, c'est Kali. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ma série sur Sanctum. Je vais la commencer avec la carte sur le parc. On Sanctum 2 en 5 tours de force avec Sky. Donc voilà. Pour les armes, on va prendre le fusil d'assaut, son arme principale, et le prototype ETK Tesla. Pour les tourelles, je vais prendre un violateur, mais je vais pas les utiliser. L'ACP, la flèche d'amplification ou l'éclair. Après. Le non, je vais prendre le focus. Je ne sais plus à quel niveau on le débloque. Je sais pas si c'est tôt ou tard. Mais normalement, avec les tours. Enfin, on a besoin à peu près de la flèche d'amplification. Après, avec les tours qu'il y a déjà de passé de base, on peut très bien s'en servir. Enfin, on peut faire le taf principalement. Et après, comme talent, on va prendre munitions à tête creuse, tireur d'élite et main rapide. Et normalement, c'est à peu près tout. Donc déjà pour le labyrinthe, on va fermer ça. Et on va les forcer à passer dans les tours. Enfin les contourner. Et on va terminer ceci. Donc voilà, on va commencer par faire ça. On va améliorer la CP. Et on va lancer la première vague. Normalement, on ne devrait pas avoir besoin des tours. Voilà. Celle-là, on va l'améliorer à nouveau. Bon, on peut pas. On va continuer le labyrinthe. Voir un peu plus loin, on coupe le coin. Et là, on va. Commencer à fermer le cœur. Voilà, on va lancer la vague. La CP n'est pas niveau 3, donc les petits mobs risquent de passer. On essaie de les dévier au max. Enfin, de les dévier. De les blesser au max. C'est vrai qu'avec les scientifiques, ils les tankent sous la tour, donc c'est bon. Bon, là, ça devrait aller. On va continuer le labyrinthe tranquillement. Là, on coupe encore un coin. On va le retirer et on va le placer là. Là, on va placer le focus ici. Et ça va être parti. On devrait avoir besoin que de s'occuper que des gros, pas des petites hordes au sol. Le focus fait vraiment le taf. Voilà. On va l'améliorer. Et ça, voilà. Et maintenant, on va terminer le labyrinthe. Voilà. Globalement, là, on a à peu près le cœur du labyrinthe, le gros du labyrinthe. Après, on va le peaufiner avec quelques petits blocs par-ci par-là. Et on envoie la vague. L'électricité dans l'air.
ça passe, lui il est bientôt mort. Ah, il est pas mort dans les airs, c'est dommage. Il est mort à l'atterrissage. On va l'améliorer. J'ai pas assez pour la flèche d'amplification, c'est l'avant-dernière vague. Tout va bien. Alors, on va mettre ça là. Et ici. Afin de le plaquer contre la CP, contre le mur. Et on va mettre un en diagonale. Ah, il m'en reste encore. Dans le diagonale, là on va le replaquer contre le mur. Et maintenant on va juste peaufiner, remettre les coins. Ça devrait bien se passer, il y en a que 3 comme ça, on a déjà tué un, lui c'est le deuxième. Ils sont pas très dangereux, surtout avec la focus. Et voilà, alors. On va continuer ça comme ça. Très bien, avant dernière vague, non, enfin maintenant dernière vague. J'ai encore 4 blocs à dépenser. Ici, on va augmenter un peu l'impasse. Enfin, l'impasse, le contour. Là, on fait le coin. Ici aussi. Et là, normalement, il n'y a plus grand chose à faire. On peut le faire ici aussi, allez. Tout ça, c'est augmenté. Je vais prendre la flèche d'amplification. Et on l'améliore au max avec ce qu'on a. Ce sera toujours cette prise. Et voilà. Là, c'est bon pour toi. Quand aussi, ça va l'être. Et voilà, on les sert au fur et à mesure de ce qui arrive. On va bloquer cela, on va les empêcher de passer. Et ça, c'est bon, c'est le dernier. Ça devrait passer comme une lettre à la poste. Et voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge, n'hésitez pas non plus à vous abonner, et je vous dis à la prochaine.